Salut les gars, c'est Dil. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Comme d'habitude, on se retrouve pour le 14e épisode de notre Let's Play sur GTA V. Ça n'en finit plus. On a toujours du boulot. Ça n'arrête pas. Je suis avec Franklin. J'ai repris son contrôle. Car je n'avais plus une mission avec Michael. Avec notre idole, le producteur de cinéma. Je crois qu'on doit attendre. Parce qu'apparemment, il nous a dit, le producteur de cinéma, que Michael serait producteur associé. Mais je crois qu'on doit attendre que ça s'active. Avec Trevor, on a 6 missions, mais c'est que des inconnus et des traqués. Donc là, j'ai repris Franklin, car on a du boulot avec ce jeune homme. Je crois qu'on a une mission assassin à faire avec Lester. Allez-y, madame, pas de soucis, je vous laisse passer. Et ensuite, on a une mission avec Devin Weston. Donc c'est parti, les petits poteaux d'El Amagnania, des poteaux des Caronnes. À l'ancienne! Cabine téléphonique, ça me plaît. C'est parti. He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Surveiller la prostituée, ok. Oh. Attendez, j'entends un bruit. Un bruit familier. Oh, c'est le retour d'un monsieur Tam Tam. Hé hé. Personne vient vous voir. Moi j'adore votre talent. Allez, petite photo. Attendez. Pas de panique. On va juste prendre une photo. J'adore. Parce qu'avec Michael, j'ai essayé de faire la même. Et puis j'ai tout foutu en l'air. J'ai fait tomber le tam-tam. C'était un bordel. Je lui ai mis un chassé dans les tibias. Donc là, on va se prendre une petite photo. Je vais rattraper le coup. On se met un petit filtre. Allez, c'est pour Instagram. C'est pour YouTube. Hein. On se met quoi? On va mettre une bordure aussi. Ok, et un petit filtre noir et blanc à l'ancienne. Pas mal ça. Voilà, faut bien que j'appuie au bon moment. Yeah, pas mal la petite photo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, parfait. Allez hop. On range tout. Bravo monsieur pour ce que vous faites en tout cas, j'adore. C'est génial. Fort du rythme hein. Poum poum. Boum, ti pam, ti poum, poum. Boum, ti tam, ti poum, poum. Ah, vous avez grave la classe. Grave du flow. Je peux pas vous donner un petit billet, malheureusement. Dommage. Allez, c'est parti. On se met au boulot. On arrête les conneries. Donc, Lesnar nous a donné les infos. On doit aller surveiller une prostituée, apparemment. C'est cool. Elle est pas très très loin. Donc on va essayer de bien bosser les gars. J'ai encore vérifié comme prévu la liste des missions. Et ouais, c'est bien ça, je crois qu'il y en a, 62 hein. Donc là eh ben, on est un peu plus de la moitié. J'ai calculé un petit peu dans ma tête. Si on arrive à faire 3 missions par épisode, en moyenne c'est un petit peu ce que je faisais sur les GTA. Tout GTA confondu hein, c'était environ 3 missions par épisode. Donc si ça se trouve, ouais, on va peut-être faire moins d'épisodes que GTA 4. Rendez-vous compte quand même. Ce serait trop beau. Moi qui pensais finir ce let's play que ça allait durer 2 mois. On allait le finir en juin. Bah finalement, on va peut-être finir assez rapidement. Ensuite, l'arc GTA principaux sera bouclé. Ce sera une belle consécration pour la chaîne Deal Games. Ça doit être elle. Et je dois aller lui causer. La prostituée va monter dans le véhicule de la cible. Repérez bien ce véhicule et éliminez le conducteur. Ok. Ouh, ça a l'air d'être lui. C'est lui les gars. Je suis sûr. Ah non, c'est pas lui. Oh, il a pris le seum. Tu vaux pas le coup qu'il lui a dit. Attendez, j'ai peur de gêner là.
On va rester là, voilà. Donc peut-être pas trop à côté des poubelles, ça me dérange un peu. Est-ce que c'est vous le grand coupable? Qui s'occupe avec des filles de joie? Peut-être lui? Hey baby, we're gonna get it for 10 bucks. You can get the bus home and jerk off thinking about me. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Ah, lui, il a l'air d'avoir un peu plus la classe. Est-ce que c'est lui? Hey, c'est bien lui. You miss me? I was starting to think you weren't coming. Oh, I always come. I always come. C'est Elvis Presley. Éliminer la cible. Avec plaisir. Voilà, on a fait ça vraiment RP, j'adore. On se tire. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans me dire. Parfois j'aimerais bien me dire de me dire. C'est triste à dire, mais plus rien ne me dit que je dois me dire. Pourquoi on se concentre pas? Oui madame, mais bon, on fait pas de pompe sur les passages piétons, c'est quoi ce délire? Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Pas de soucis, Lester. Mission accomplie. Prostitueur, parfait. 5000 dollars, tout est bon. Ah, ok, en fait, on veut me chasser. On veut me chasser. Me mettre des chassés. Eh ben moi qui voulais commencer la mission avec Devin, finalement, ce sera pas pour tout de suite parce qu'on en a une autre avec Lester. Il est où Lester? Lui aussi, il fait des tours chez le coiffeur. Hop, pardon. On va aller Brain. Voilà. Allez, ciao. Eh oui, le karma, ton univers impitoyable. Allez, allez, allez. Bon, on va rester dans le thème. On va retourner voir Lester. J'aimerais bien terminer ces missions assassinales. Si c'est rapide comme ça, c'est cool. Comme ça, on pourra enfin faire la mission avec Devin. Et je crois que la mission avec Devin, c'est que Trevor et moi. Je crois que la secrétaire, elle avait dit là qu'on n'avait pas besoin de Michael sur ce coup. Michael, de toute façon, il est occupé. Là, il veut faire carrière dans le cinéma. C'est très bien. On est content pour lui. C'est quoi, c'est encore un téléphone? Ah, il me fait vraiment le truc à l'ancienne. So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Récupérer le bus. Super. Il est où le bus? Il est mobile ou immobile? C'est un peu plus funky quand même quand je peux faire les épisodes dans l'après-midi. Hein. Là c'est 16h. Je suis un peu plus joisse. Parce que le dernier, ouais, de faire ça à 1h15 du matin. C'était tout en détente, en calme et en réflexologie. Ça veut rien dire ce que je raconte, tu le sais. Allez, slow down. Il est là le bus. Desservez chaque arrêt de bus pour localiser la cible. Pas de problème. Mais me coupez pas la route! Il est où l'arrêt de bus? Là-bas. Montez, jeune fou! Hey, sorry, I'm late. It's my first day on the job. I hope the traffic isn't too bad. Yesterday it took me 3 hours to go half a mile.
observer l'intérieur du bus. What happened to the old bus driver? I really like that guy. Il est pas là, l'ancien chauffeur. Il est en arrêt maladie. Damn, would it kill you people to crack a smile? Putain, il est habillé comme Carl, lui. Panique pas, panique pas. T'as pas besoin de ceinture. Who farted? Come on, that's disgusting. Hey, get in, we're running late. Moi j'ai déjà fait un accident de bus quand même, pas, on va pas abuser. Mais je prenais le bus quand j'étais gamin pour aller au lycée. Et même pour aller au collège. Putain, ce putain de bus de merde, je l'ai pris pendant des années, des années. Et puis croyez-moi bien, moi j'habitais de mes 0 jusqu'à mes 21 ans, je crois que c'était 21, ouais. J'habitais dans un quartier. Un petit quartier pas énorme. Je vais pas exactement vous dire les gars, parce que j'aime bien garder ce truc privé de où j'habite, etc. De toute façon, c'est pas important. Mais on va dire que dans mon quartier, on était un peu plus de 3000, je crois, environ. Et le bus y passait, du coup il récupérait bah moi, forcément, évidemment, et tous mes potes et tout. Et puis tout le monde, quoi, qu'elle au collège, au lycée, c'était plein à craquer. Un bordel, et un de ces bordels. Dans ce bus de merde, je me suis déjà battu. Ouais, du coup, il y a déjà eu des accidents. Je vous jure, quand on n'a pas de ceinture, juste un petit choc. À quoi? À 30 km/h. Putain, je vous jure que j'en ai vu voler de l'arrière là-bas jusqu'au milieu, là. Jusqu'à la porte au milieu. Croyez-moi, c'est bien funky, quoi. Ça saute dans tous les sens. C'est total wipeout. Well, you're late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Bear hike. Forget about it. Spendthrifts. Hey! Oh, ils volent le vélo d'une vieille. Assassiner la cible, mais bien sûr. On est un justicier, nous. T'es fou, toi, de faire des trucs comme ça. Casse-toi, le camion. Dégage. Oh, descendez du bus. Ah bon? Putain, mais... Oh, mais franchement, mais les PNJ, je vous pisse dessus, je vous jure. Ah, ils m'énervent tous. Les flics, ils vont m'attraper. Se met la police. Bah oui, mais bon, j'ai rien là. Ils vont tourner ou pas? Ils tournent pas. C'est notre chance. On sprint. Allez, mon petit Franklin, allez. Des fois, se met la police, c'est un peu plus simple à pied. Ok, super, on peut pas rentrer là. C'est génial. Ils arrivent. Chut. Allez, on bunny hop. Voilà, on va rester caché là. Et bah voilà, parfait. Ouh, ça fait plaisir. Mission réussie. Mission accomplie. Ticket s'il vous plaît. Nickel, $5000 encore. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres missions avec Lester, de mission d'assassinat? J'ai pas l'impression. On va pouvoir commencer cette mission avec Devin. Ce véhicule là, hop, je vais le prendre, nickel. J'adore Franklin parce que vu que son habilité spéciale c'est sur la conduite, les véhicules et tout ça, vous avez vu, il déverrouille la porte, enfin il crochette la porte on va dire, il casse pas la vitre. Donc au moins c'est bien, je peux voler des véhicules en toute tranquillité sans avoir la police au fion. Allez, on va chez Devin. C'est bien l'émission assassinat parce que ça dure pas longtemps. En plus on a mis une tenue de vrai gangster, d'assassin là. Y'a trop de monde dans cette ville, je vous jure. Y'a trop de gens. J'ai plus du tout de souvenir de ce qui nous attend là. À quoi va nous servir Trevor dans cette mission? C'est surtout ça qui m'inquiète. En plus, on n'a pas Michael.
Ah là, des fois on va pas s'embêter, on va l'utiliser ça. Je le fais pas souvent. Voilà, vous voyez dans ces cas là où il y a des PNJ qui sortent de nulle part. Parce que c'est bien, en plus on l'active, mais voilà, on reste à pleine vitesse. Ça c'est trop bien. Vous voyez par exemple là. Ouais bon, bah écoutez, je peux pas faire ce que je veux non plus. C'est pas grave. Ah ouais, l'autre il voulait descendre se taper. Bon, j'ai pas trop le temps pour toi. C'est pas que j'ai peur, hein, pas du tout. Non, non, pas du tout. Bah attends, vous me connaissez quand même, pas du tout, hein. Ah, on retrouve Devine au même endroit où on prépare nos missions avec le FBI. Ok. Eh bah, allez, go. Hein. C'est parti. You know how to work that face recognition shit already? Well, figure it out. Ah, prenez le contrôle de Trevor, ok. Okay, booting up. You can use the stick to move the Utilisez les commandes pour déplacer la caméra et zoomer en avant ou en arrière. Visez un lieu ou un point au sol pour que le pilote se dirige vers lui. La position de Franklin est indiquée sur l'ATH. Volez vers lui et scannez-le. C'est trop bien ça. C'est vraiment comme dans la réalité. Hein. La cible subira un scan corporel complet qui révélera son nom et son casier judiciaire. Maintenez RT en zoomant sur la cible. Incroyable cette technologie. Franklin Clinton, attentat à la pudeur. Oh là oui, ils sont très très loin. Ils sont trop loin pour l'instant. You arrested my African-American friend for a minor infraction? The LSPD disgusts me. It's not me. I mean, there's some bad apples in the department, but any accusation of a racist culture, you want to bullshit me? You can bullshit the freeway. We do community outreach, but we have minority quotas. Yeah, your nice dick's got a minority quota. I should take... Look, please. We come so far in the last 2 decades. Oh, you're lucky I can't use this thing with one hand and fly with the other. Come in, Frank. On est dans un vrai débat de société, là. Hors de portée. Est-ce que je peux scanner ça? Hors de portée. Maintenez RB pour écouter les conversations à bonne distance. Attends, je vais scanner lui d'abord. Nelson Stouser avec cette vitesse, c'est pas lui. Peut-être il est d'une fraude fiscale. Et quoi là? Ils se tapent eux, non? Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire eux? Greg Holmes, ok. Pardon. Il doit être à 2 blocs. Scanner la série de cibles suivante. Ok. Julio, c'est pas lui. Joseph, c'est pas lui. Sa Porsche. C'est incroyable ce truc de scan quand même. Ça tire là. Zeus Karachi, non. Chad, voilà, c'est lui, Chad Mulligan. Come in, Franklin. We've got a positive ID
Suivez Chad Dulligan pour voir où il a garé sa voiture. Bah, ça serait bien qu'il bouge quand même. J'active RB pour entendre ce qu'ils disent. Il va se faire attaquer par le chien. Oh, on l'a perdu. Ok, il est là. Petite mission tout en patience. Hein. Vous voyez, on entend ce qu'ils se disent, les PNJ. On dirait qu'il ouvre un petit garage. Tout à fait. Vas-y Franklin, vas-y. Garer la Z-Type dans le champ de vision de la caméra pour transmettre les instructions à Franklin. Ah ouais, c'est vraiment les véhicules à l'ancienne ça, c'est stylé. Je l'avais je crois sur GTA Online celle-là. On le suit, t'inquiète. Oh, je pourrais tirer là, ça me rappelle le missile Predator sur Kalof. Mais bon, faut qu'on garde le véhicule intact. Allez, Franklin, chope-le! Waouh, 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 il provoque de ces accidents. Il joue bien son rôle, Trevor, hein, de policier. Déjà dans l'autre mission, il aimait bien là en tant que shérif, mais là, il prend son rôle à cœur. Ok, il est dans les garages. Il est à quel étage? Utiliser la vision thermique. Peut-être lui. Oh, je pense pas qu'il attend comme ça s'il était en chasse. Ou alors lui là-bas. Je pense que ça c'est Franklin au téléphone. Zoomer sur un civil notable. Hey, that ain't. Damn. No reason he's
place stink. Stank ass motherfucker. Moi je pense que c'est lui hein. Il a l'air en panique un peu. Il a l'air de regarder un peu à gauche à droite. Yes, c'est lui je crois. Ah, c'est lui. Ah, tu m'as bien saoulé quand même. Allez, bouge. Eh si, bah c'est ça, c'est les États-Unis, c'est sévère, hein. Qu'est-ce que tu veux? On se fait saisir ces objets. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick who ain't Oula, paying us till en we bon état. The car? Oh. Ça c'est dur pour moi ça. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. God, why not? It's about time I settle down. Shit. Oh là là, faut rouler doucement les gars. Man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. Oh non, la police. Shit. And I spared this mother. Écoutez. Semer les flics, ok. Est-ce que je peux aller là? Attendez, parce qu'il y a un autre véhicule de police là, mais j'arrive pas à voir où il est sur le radar. Il est en haut ou en bas? Ah, il m'a vu, le chien. Il m'a vu alors qu'il était tout en haut. Hein. Ça arrive en face aussi. Aïe, 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 aïe. Parfois, ce qu'on peut faire en vrai, c'est de rester un peu immobile. Donc, on n'a personne autour. Moi, c'était un petit peu ma technique. Hein, sur GTA V. Ouais, là, par contre, j'ai failli prendre. Ah, bah là, voilà. Je sais pas comment il m'a vu. Peut-être celui en haut à gauche, je sais pas. Après, c'est pas les meilleurs moyens de s'échapper ici. Hein. Sur l'autoroute, là. Allez, j'essaye aussi de la garder en bon état. Waouh, waouh, j'ai cliqué pourtant. Ouais, là, c'est pas vraiment pas le bon endroit pour les semer. Hein. C'est tout en cercle et tout, c'est chiant là. Bon, il y en a derrière qui arrivent, devant aussi. Je vais essayer de sauter là, mais j'ai peur que ça la fracasse un peu. Vas-y, on tente. Ah, mais ils sont en face, ils sont en face. Laissez-moi rentrer, je vous en supplie. Oh, et en plus, on est au point de mission. Ah, oh, mais si c'est pas beau ça, les gars. Oh, un peu de chance, ça fait plaisir. Le hangar de Monsieur Devin Weston est là sur la gauche. Ici, là-dedans, là. Ouais, ils sont là-bas. Tenez. Oh, there she is. Belle voiture, hein, franchement. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services.
No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh, man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah. Just take any car and go. Allez, à la sortie de l'aéroport. Je prends la voiture que je veux. Ouais, par contre, m'écrasez pas, s'il vous plaît. Allez, on va prendre ça. Les contrefaçons d'Audi. Je m'en vais, Seigneur. Merci bien. Mission réussie. Un œil dans le ciel. Eh bah parfait. Très très bien. Alors est-ce qu'on a d'autres missions avec notre ami Franklin? Il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Ok, on va attendre un petit peu. Message. Michael, tu vas être content. Martin Madrazo voulait que tu lui donnes un coup de main et j'ai mis Trevor sur le coup. Y a pas de quoi. On a RDV à son ranch sur Senora Road. Ok, très bien. Et attendez, j'ai un autre SMS. Molly, je confirme votre rendez-vous avec David Newston dans son nouveau chantier. Ah oui, mais c'était le truc la dernière fois. Ok. Alors. Eh ben, on va pouvoir enfin commencer l'émission avec Martin. Martin, vous vous souvenez, c'est celui du tout début du... Est-ce que c'était au premier épisode? Non, du deuxième épisode, je crois. C'est le monsieur à qui on a défoncé la maison là, qui en fait, on pensait que c'était la maison du prof de tennis, mais non, c'était sa maison à lui qu'on a dû rembourser et tout. Donc on va devoir faire des affaires avec lui. Par contre, pour gagner un petit peu de temps, est-ce que je pourrais pas y aller avec Michael? Parfois, il habite un peu plus près. Est-ce qu'il était au nord, Michael? Ah, everything hurts. Mais tu l'adores cette chemise, Michael, je te jure. Tu traînes toujours avec ça. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un... Ah. Allez, on va passer juste à Pons Boys, acheter un nouveau costard. Vu que c'est un monsieur très riche, qui a du pouvoir sur la ville et tout ça, là, on va s'habiller bien comme il faut. Faire honneur au trio. Pas passer pour des bouseux, pour des pecnos comme Nico. Pipipiou. Freestyle de haut niveau. Hop. Petit costard rapidos. On a 33 minutes, on aura peut-être le temps de commencer. Vous avez pas des tenues toutes faites, madame? Non, évidemment. Voir les costumes. Ah ouais, on dirait un prof de SVT là. Non merci. Dis-moi qu'il y a des costumes tout faits. Ah oui. On va acheter le blanc cassé. Hein. Voilà, c'est très bien. Vous avez pas de lunettes, vous, c'est chiant. Hein. Bye. Enjoy your purchase. Alors, Martin, c'est où? Eh ben c'est là. En plus, c'est bien, on n'est pas encore allé dans cette partie de la map. C'est parti, let's go. C'est parti les amis. On va retrouver Martin. Je sais qu'il aime bien les matins. Où allons-nous? Chez Martin Madrazo. On s'en fout, appelez la police vous-même. Tu fais pas partie de la police moi. Je suis content, j'en ai aidé aucun. On n'a pas perdu de temps avec ces vieux PNJ là. Casse les couilles, puissance 1 million, et puis ils veulent que je les aide. Ils sont pas fous, eux. Non, non, moi j'ai trop d'orgueil pour ça. Je dis ouais qu'on n'a pas perdu de temps. Et je repensais, vous savez, j'en parlais quand? Dans le dernier épisode ou l'épisode 12? Je sais plus. Du temps qu'on a perdu. Ah bah non, même pas, c'était dans l'épisode 11, je crois.
Quand je vous disais le bug qu'on a eu avec le boîtier d'acquisition, que sur tous les GTA on a eu des petits bugs ou des petites pertes de temps qu'on a dû rattraper en off et tout. Et GTA 3, ouais, on n'a pas eu forcément de bugs, mais on a perdu du temps quand on devait trouver la voiture des Yardies là. C'était à la fin d'épisode 5 ou 6. On a perdu du temps aussi avec l'émission d'El Bourreau au téléphone qu'on n'était pas obligé de faire. Donc ouais, j'ai pas fait un seul GTA quand même. Là, je fais une petite rétrospective vu qu'on a, on a bientôt fini notre arc GTA principaux. Avant, je le répète, bien plus tard de faire les DLC de GTA 4, les GTA classiques, la Vice City Stories, les Liberty City Stories. Mais ça, voilà, ce sera bien, bien, bien plus tard. Pour l'instant, on fait les GTA principaux. Après ça, je vous fais un petit jeu bonus. Normalement, vous savez ce que c'est si vous avez suivi un petit peu les épisodes. Et ensuite, on fait les Metal Gear. Et après tous ces projets-là, vraiment, que j'avais en projet principaux, eh ben, je vais commencer à rafraîchir la chaîne avec des petites vidéos au montage, des nouveaux zappings qui vont arriver. Et là, à côté de ça, on pourra ressortir des épisodes. Enfin, on continuera toujours les let's play. De toute façon, c'est un peu l'essence de ma chaîne, quoi. C'est un peu, voilà, le type de vidéos que je préfère, entre guillemets. Mais j'ai bien envie quand même de me tester sur des vidéos assez dynamiques, montées et tout, parce que j'ai un gros PC, puis je peux vraiment pas trop l'exploiter, quoi. Donc voilà, 36 minutes, est-ce qu'on a le temps de faire quand même quelque chose avec Martin? On va aller voir ça de suite. Normalement, nos potes nous ont rejoints. Et c'est nickel. Trevor, j'aime bien, parce que ça lui change jamais de tenue. Ça, c'est cool. Tu dois pas sentir très bon, mais au moins, ça change pas. You'll see. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's a pay? Huh? Come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? Oh là là! You grab a vehicle, something versus... Faut mieux parler à sa femme, monsieur. Voilà, jouer comme ça. Hein. Allez à l'observatoire. Trevor, je pense qu'on va prendre. Ah. Ah, ok, tu veux prendre ton véhicule. Tu veux pas qu'on monte ensemble. Très bien. Eh ben, allez, on y va. On va au même endroit là, j'espère. Et y a pas Franklin qui devait venir aussi? Bon, écoute, Trevor, on va faire la course parce que je pense que. T'aimes bien rouler assez doucement, toi. Pourtant, Franklin, il a reçu le SMS aussi. J'ai pas compris, là. Pardon. Bon, si on peut finir cette petite mission, ce serait sympa. Comme ça, eh ben, on a fait un peu plus que la moyenne. On en aura fait 4 pour cet épisode. Ça avance bien, je suis content.
Yeah, okay. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there. To that guy's house? Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those. Easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job. So what's it all about? Okay. The guy lives well. That don't mean we're robbing him. But it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, Merde. He'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Qu'est-ce qu'il raconte, Trevor? Bon, on arrive à l'observatoire. C'est au même endroit où on avait rencontré Dave, non? Oui, c'est ça, je crois. Monter dans la camionnette. Là. All right, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. Whoa. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Tirer sur le moteur de l'avion. C'est-à-dire. Viser la cible rouge, placée de sorte à compenser la Hein? Nope. C'est quoi le moteur? Not good enough. Ah, shit! Ah, je comprends pas là. Gotta take another shot. That'll go down next time. Y'a pas, ça marche pas, ça marche pas. Give me a second. Mais ça marche pas! Nope. Mais c'est pas cet avion là! Ah putain, mais le con que je suis! Ah, j'ai tiré sur un avion avec des pauvres innocents qui avaient rien demandé! Putain, n'importe quoi! Heureusement que je l'ai pas touché. J'en aurais moins sur la conscience. Tirer sur le moteur de l'avion, voilà, il est là! I got her! Southwest of the city! The jet's moving! Gotta give a lead. Impeccable, voyez, je suis un sniper de folie. Plusieurs tirs sont nécessaires, ok. Ok, ça me rappelle Mafia un peu. Vous vous souvenez de la mission avec Morello là? Incroyable mission. Voilà, pareil, ça va se crasher ça. On s'est pris un oiseau, yes. Suivez l'avion. Ah, attendez, enlevez-moi le repère, s'il vous plaît. Merci. Oh, j'ai envie de sauter. Tant pis pour ce qui va se passer. Ça va. Ça va, ça va, ça va pas. Oh, on fait du stunt, les gars. Ouh, il va se cracher bien comme il faut là. He's going down, 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 down. Mais c'est, je suis de retour chez moi là avec Trevor. Il va se cracher sur mon aérodrome.
doit toujours. Qui c'est ça? Il prenait en photo ou quoi lui? Allez, allez, allez! Oh, quelle mission de folie! J'adore ce genre de mission, ça me rappelle vraiment Mafia. Yes! Stylé! Stylé! Boucher les bas, boucher! Oh là, j'ai fait n'importe quoi. Pas taper un petit wheeling. Run, you better be working. Okay, this guy is going down any minute. Good. Let's hope he don't take out some poor farmer while he's at it. Only thing they farm out here is methamphetamine. Ah, Trevor Phillips country. God, I miss it out here. You gotta come visit sometime. Il pleure ou quoi? Allez, crache-toi. Yes. Good. Get the files and if the cousin made it, take him out. Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out. Tu es Javier. Gotta get paid. Just do the job. I'll get us paid down the road. Pauvre petit Javier. On va te tuer comme ça. Entrez dans l'avion. Oh les pauvres. Ouais bah sors vite Trevor, ça peut exploser à tout moment. Sauve-toi, sauve-toi. T, how'd it go? Fine, just fine. I got the files. I'll take them to Madrezo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy man, listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Après, il a raison, Trevor, on travaille pas gratuit pour ce machin là. Il a beau faire peur. On a pas les restos du cœur, nous. Hein. Quitter la zone. Je quitte la zone. Bon, bon, bon. Allez, je vais pas recommencer avec mes conneries, c'est bon. On va se calmer. Je quitte, je quitte. Détruisez le fourgon. Ok. Est-ce qu'on a des armes avec notre cher Michael? On a de l'essence, au pire. Essence? Pourquoi s'embêter? Oh, attention par contre, on a bientôt plus d'essence. Ouais, je sais pas trop si c'est malin ce que j'ai fait là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on peut faire un petit plan en classe pour les Deal Gamers? Ça va pas du tout marcher ce que je fais là. Ça brûle ou pas? Bon, j'ai des grenades, écoutez. J'aimerais bien faire des belles choses, mais je crois que ça marche pas. Allez, bim. Allez chez Martin. Ah oui, mais aller chez Martin à pied, ça me dérange un peu, non? Ah non, pas à pied! Tiens, bah y'a des vélos, allez hop. Allez, là en vélo, c'est très bien. Oh, c'est qui ça? On dirait Franklin.
What? There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! Trevor! Ugh. I wouldn't do. Somehow I don't believe that. Attends. Prête-moi ton véhicule. Retrouver Trevor à la cimenterie. Pardon. Bon, apparemment, on devait ramener le dossier chez Martin. Mais Trevor, il a dit non, changement de plan. Est-ce qu'il a vu que il y avait des trucs intéressants dans le dossier qu'on allait pouvoir utiliser? Ou est-ce qu'il veut juste foutre la merde comme il aime tant faire? Je ne sais pas. 51 minutes, ça aura débordé un petit peu, mais tant pis. Donc ça fait pas plus d'une heure, moi ça me va. Et si jamais je cut vraiment des petits moments quand on est en voiture ou quoi que ce soit, on s'embête pas. On va gagner du temps à passer par là. Ouais, si je meurs pas avant, ce serait cool. Détruit la faune et la flore, c'est pas grave. On va se faire de l'argent, on rachètera tout ça plus tard. On peut passer là, rejoindre la route, très bien. Ça m'intrigue, qu'est-ce qu'il a à nous proposer, Trevor? Bonne question. Là, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Where is he? Why did he have his car? Man, that piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. C'est normal? Kind of got a little angry. So, I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. What the fuck did you do? Oh, mon Dieu. Oh, I just told you what I just did. Now, unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Il va faire un arrêt cardiaque, Michael. Now I know a nice little place we can hang out. You know, it's a very relaxing little spot, a little getaway, if you will, a cabin in the woods. Ah, mais elle est interminable cette mission. Ah non, c'est bon, ok, cool. Atterrissage forcé. Là, ça conduit automatiquement. Très bien. Je crois que ça va retourner sur Franklin. Je crois que les deux gars doivent faire profil bas. Ah, succès déverrouillé? Ouais. Ça a l'air honnête. Très bien. Et je crois que... Ouais, vous voyez, on peut plus prendre les autres gars. Ils doivent faire profil bas pour le moment. Eh ben écoutez, c'est parfait. 55 minutes déjà. On va arrêter l'épisode ici, les petits potes. Donc on aura une autre mission avec Devin et pour l'instant on va devoir attendre des nouvelles de nos copains
Parce qu'ils ont kidnappé la femme à Martin Madrazo. Donc ils vont faire profil bas un petit moment. Prochain épisode, on se retrouvera avec Franklin et on bossera un petit peu avec lui. Allez les gars, parce qu'on a bien débordé, donc moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 15. Prenez soin de vous, la santé et l'humour évidemment. Et à très vite. Ciao ciao.